Okay, everyone. I see participants are coming into the. Ok, merci tout le monde. Je crois que les participants sont en train de venir à cette session plénière. Nous allons maintenant parler pour l'heure qui vient de l'utilisation de données globales ou la conception de l'utilisation des données. Notre stratégie pour DHIS2 est sans cesse croissante et cette année, nous nous focalisons sur comment conceptionner ou concevoir DHIS2 pour l'utilisation des données. Donc, vous êtes les bienvenus à cette session plénière. Je suis très content de vous annoncer notre collègue de l'OMS pour qu'il puisse commencer cette plénière avec nous. Il est directeur du département de l'analyse des données et il est resté à l'OMS pendant 20 ans en travaillant sur l'analyse et d'autres recherches. Donc, nous allons plus parler de cette conception de l'utilisation des données. Donc, à vous la parole, Somnath Chatterjee. Merci, Christine. Vous êtes tous les bienvenus. Je suis navré du fait que vous ne pouvez pas voir mon visage parce que vous manquez quelque chose de très agréable. Mais on va commencer à parler de entrer dans le vif du sujet, qui concerne la gestion des données, surtout à notre niveau à l'OMS. Vous savez, les données, on ne les recueille pas juste pour le faire, mais on veut savoir aussi comment générer des données pour pouvoir avoir un impact sur la santé de la population. Donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la manière dont il faut utiliser les données pour pouvoir mesurer les impacts et voir le profil du système sanitaire des pays. Notre division qui porte sur l'analyse des données et l'impact a été créée durant la transformation de l'OMS pour pouvoir avoir une focalisation sur les résultats avec la collaboration de tout un chacun d'entre vous, avec nos pays et nos partenaires, afin de soutenir l'écosystème des données de génération en génération pour pouvoir bien l'utiliser et s'assurer que les données sont utilisées de manière fiable pour prendre des décisions afin de pouvoir informer les actions que nous prenons pour pouvoir impacter les personnes tout autour du monde. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'alors? Nous avons mis sur pied, comme vous pouvez le voir, un package technique pour pouvoir gérer les systèmes d'information sanitaire dans les pays à travers des systèmes de suivi de compte des populations, d'optimisation des données qui arrivent dans les services sanitaires et dans les différents établissements sanitaires et qui ensuite est révisé parce que dans les différents pays, on se rassure qu'ils ont des plans d'examen, des plans de révision pour pouvoir permettre que ces données puissent avoir des impacts. Notre première évaluation du statut et de capacité des systèmes d'information sanitaire dans les pays, nous avons plusieurs rapports en matière de statistiques qui permettent de voir l'impact que nous avons en ce qui concerne l'avancement dans l'atteinte des objectifs du développement durable en matière de santé. Aussi, nous avons aussi un dépôt de données et nous avons donc développé un hub de données pour que dans tous les pays, on puisse garder les données, les analyser et les disséminer et pour pouvoir les utiliser au travers de tous les pays dans le monde.
Ici, vous voyez une sorte d'aperçu de ce que nous savons des statuts du système sanitaire et de sa capacité. Et comme vous pouvez le voir, dans chacune de ces zones, il y a des fossés. Donc, le but de cet exercice aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière est-ce que les systèmes d'information sanitaire de routine puissent s'intégrer à DH ISE dans les différents pays pour pouvoir combler ces différents fossés que nous avons. Pourquoi? Comme on le dit souvent, ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer, ce qu'on ne gère pas, on ne peut pas changer. Alors, dans les différents pays nous avons tout fait pour avoir un impact significatif pour que les différents acteurs puissent mieux gérer leurs informations sanitaires. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, cela a à voir avec le CRBS, la manière dont on gère les pays et voir même comment est-ce que les programmes avancent. Et donc, malgré cela, il y a toujours des fossés malgré les efforts que nous avons consentis. Maintenant, en ce qui concerne nos efforts, c'est que nous avons essayé de renforcer les capacités en alignant nos ressources dans les pays et aussi en améliorant l'accès aux données dans les centres sanitaires publics pour que ces derniers puissent être utilisés. Et aussi, nous avons tout fait pour soutenir l'échange des données à travers les plateformes de collecte et de reporting de données afin qu'on ne laisse personne pour compte. Nous avons aussi mis à la disposition des données agrégées à tous les acteurs pour pouvoir atteindre les différents objectifs et aussi permettre à tout le monde, y compris les utilisateurs finaux, d'avoir accès à toutes ces facilités. Nous avons tout fait pour que ces systèmes, ces données puissent appartenir à toutes les communautés pour pouvoir tout faire et répondre de manière appropriée aux exigences de tous les pays. Ce que nous faisons alors en matière de la composante des systèmes d'information sanitaire de routine, l'OMS travaille avec l'Université d'Oslo pour mettre sur pied certains programmes et des guides. Alors, nous avons travaillé main dans la main avec l'Université d'Oslo pour avoir accès au kit des données sanitaires de l'OMS et nous avons aussi mené des activités de renforcement de capacités au travers des régions et des pays et aussi nous avons piloté et amélioré les implémentations des cas d'utilisation dans tous les pays pour pouvoir avoir des actions marquant positivement les pays. Alors, comme vous savez tous, l'Université d'Oslo et son réseau de HIPS à travers le monde a commencé depuis l'année 2018. Nous avons focalisé notre activité sur le développement des DHIS2 comme outil numérique pour permettre l'implémentation dans les pays. Ensuite, nous avons renforcé les capacités en matière de standards de qualité d'analyse de données. Et enfin, nous avons des recherches d'opérations en voyant les meilleures pratiques dans le monde pour pouvoir améliorer les standards et promouvoir le fait que tous les pays puissent détenir leurs informations. Comme nous l'avons entendu depuis peu, notre rôle à l'OMS, c'est de développer ces normes, ces standards et ces guides. Et l'Université d'Oslo et les HISP produisent la manière d'utilisation des logiciels et puissent promouvoir l'implémentation dans les pays tout en apportant leur soutien à ces pays dans l'utilisation de non seulement cette plateforme, mais aussi des données tout au travers de tous les domaines de santé. L'idée pour nous, c'est de travailler de concert
afin de développer cette approche intégrée et ce kit des données sanitaires en matière de système de données sanitaires pour pouvoir mettre à disposition des guides au travers ces packages numériques pour faciliter l'accès aux données à travers l'utilisation de DHIS2. Je n'ai plus besoin de vous expliquer cette carte que vous voyez, mais comme vous pouvez bien voir, voici les zones où les kits de données sanitaires de l'OMS ont été utilisés dans le monde entier. Et il y a donc plusieurs pays qui utilisent ces kits de données sanitaires, tout comme le système d'information de gestion sanitaire dans le monde. Et il ne faut pas oublier que plusieurs pays utilisent aussi ces normes et guides que nous avons mis sur pied, surtout en matière de COVID-19. Et aussi, plusieurs ont pu l'adapter à des applications Android. Notre but ultime, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir utiliser les données pour pouvoir gérer le renforcement des systèmes. Aussi, on a encouragé les systèmes pour pouvoir rendre disponibles les données et les visualisations des données pour que tout un chacun puisse supporter, soutenir l'utilisation des technologies et de manière ultime, connecter les données des pays avec les cibles en matière sanitaire. Et comme vous savez, il y a une opportunité maintenant avec la COVID-19 pour qu'on puisse tout faire pour améliorer notre système de gestion d'informations sanitaires. Comme je vous l'ai dit, nous faisons tout pour mettre en place cette plateforme et l'intégrer dans le système de l'OMS, et nous représentons nos rapports phares, de même que les études que nous menons en matière de données. Nous avons aussi un tableau de bord où nous montrons les progrès en matière de notre objectif triple milliard pour avoir un impact significatif. Comme je l'ai dit, nous produisons notre rapport de statistiques mondiales chaque année. Et il y a aussi une plateforme d'entrée des données hebdomadaire que nous avons développée pour la COVID-19 notamment. Donc, c'était la dernière diapo. Donc, pour conclure, ce que nous voulons dire, c'est que notre partenariat avec l'Université d'Oslo et tout un chacun de vous comme membre de la communauté DHIS2, c'est de voir de quelle manière nous pouvons travailler de concert pour pouvoir créer une plateforme très simple dans les pays ou les districts ou même les communautés de base puissent l'utiliser et arriver à une plateforme mondiale comme c'est le cas à l'OMS pour pouvoir avoir toutes les données dont on a besoin et aussi tout faire que tous les établissements puissent avoir accès aux données et puissent les disséminer. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup de votre si brillante présentation. C'est très intéressant. On va vous introduire le prochain orateur. Nous avons professeur de l'Université d'Oslo qui l'une des premières personnes à bien s'intéresser à cette initiative de DHIS2. Donc, à toi la parole. Bonjour. On peut commencer. On commence par
aperçu des motivations de cette initiative d'utilisation des données. Et c'est basé sur les travaux menés sur ce sujet dans les différents pays, notamment en Afrique de l'Est et en Indonésie. Et nous avons développé des approches pour pouvoir améliorer l'utilisation des données dans les districts partout dans le monde. Aussi, nous avons essayé d'améliorer la plateforme des DHIS2 et son utilisation pour que ce soit plus simple et pratique. Si vous voyez notre approche, nous avons commencé à évaluer cette situation et nous avons suggéré des améliorations. Alors, nous avons identifié des cas pour l'utilisation des données de routine. Nous avons fait des études et des pratiques et nous avons aussi identifié des manquements. Alors, nous avons fait des suggestions pour améliorer cette utilisation. Donc, comme nous savons, les traductions sont très importantes. Donc, les résultats des recherches dans tous ces pays, c'est que tous les pays ont des systèmes de gestion sanitaire de routine. Donc, l'utilisation des données de DHIS2 peut être meilleure que prévu, mais vous pouvez voir également la manière dont DHIS2 peut s'adapter très facilement au système de gestion sanitaire local, les systèmes qui se trouvent sur place. Probablement parce que les tableaux de bord que nous utilisons ne sont peut-être pas mis sur pied pour des pays en particulier, pour les différents centres sanitaires, mais c'est comme nous l'avons remarqué quand même, c'est que plusieurs de ces pays utilisaient plus Excel pour pouvoir enregistrer leurs données. Et donc, c'est pour ça que nous trouvons que c'est plus simple pour eux d'utiliser DHIS2. Donc, voilà les sujets dont nous avons parlé et qu'on pouvait voir les fonctionnalités présentes dans DHIS2. Vous voyez que ça peut facilement être comparable à Excel et ça peut extraire les données d'Excel. Cependant, si vous pouvez utiliser seulement Excel, ça va, il n'y a pas de souci. Mais nous avons développé cela pour pouvoir faire une autre analyse des données qui peut même être en conformité avec l'utilisation d'Excel. Quand nous avons approché les systèmes de gestion des données dans les différents pays, nous avons vu qu'il fallait voir un aspect social. Donc, nous avons essayé d'engager les utilisateurs pour leur faciliter l'approche. Quand nous voyons tous les niveaux d'utilisation des données dans les districts, nous voyons que dans plusieurs situations, les données sont recueillies et utilisées pour améliorer tout cela. Nous avons travaillé avec les utilisateurs pour identifier des zones clés et ont besoin d'amélioration. Si vous voyez sur notre prochaine diapo, vous voyez que nous avons discuté avec les communautés de base. Parce que si, comme vous pouvez le savoir, il y a toujours des réunions de routine où les données sont discutées et utilisées, et que ce soit au niveau des districts, mais aussi au niveau des différents établissements sanitaires. Et au Rwanda, par exemple, qui est affiché, nous voyons clairement que les hôpitaux et les centres de santé ont souvent des rencontres chaque mois en matière de qualité d'assurance
Et en d'autres réunions sur la validation des données, chaque 6 mois, et aussi des réunions de personnel chaque mois. Ce que nous avons découvert ensemble avec les participants, c'est que les améliorations qui peuvent être envisagées sont déjà dans DHIS2 en matière d'analyse et de tableau de bord, pour ne citer que ces deux-là. Donc, c'est l'un des moyens pour lesquels il faut se focaliser sur la conception de l'utilisation des données et engager les utilisateurs à participer à cette approche. Ce que nous avons remarqué quasiment partout, c'est que les populations cibles des différents établissements et les tableaux de bord des districts qui prennent en compte tous les indicateurs, ce n'est pas très possible avec les anciens moyens. Et il est très difficile de mettre en place cela parce que les données sont multiples et c'est le genre de problème que nous avons essayé de résoudre. Au Rwanda, nous avons mis sur pied un projet d'utilisation de données où plusieurs personnes, où nous avons, pardon, développé plusieurs approches pour mener des conversations avec les différents membres pour voir comment améliorer l'utilisation des données de manière générale. Et nous avons même mis sur pied un groupe WhatsApp où tous les districts et les gestionnaires des informations sanitaires sont membres. Et ensemble, nous avons discuté de manière live, notamment en 3 langues. Donc, nous avons plus ou moins parcouru toutes les conversations pour voir les exigences et aussi insérer les améliorations dont il était question. Les gens voulaient qu'on puisse ajouter peut-être des couleurs pour les tests, les polices, entre autres les formats dans DHIS2. Nous avons pris tout cela en compte. Et certains ont demandé des normes en matière de reporting, mais nous n'avons pas commencé de zéro parce que nous sommes basés sur leurs différents rapports mensuels. Donc, nous avons discuté avec les équipes de base pour les développeurs et aussi les différents acteurs au niveau de base. Des exigences, des exigences se sont affichées en matière de développement de logiciels et aussi en matière d'utilisateurs. Et donc, nous travaillons tous ensemble avec l'Université d'Oslo et d'autres organismes pour améliorer la plateforme. Sur une perspective analytique des principes en matière de développement ou d'implication des populations locales en matière de développement mondial, on voit que DHIS2 a pour DHIS2, pardon, qui est développé par l'Université d'Oslo, a des fonctionnalités génériques qui peuvent être adaptées à tous les concepts possibles et imaginables. Avec les exigences au niveau local, nous avons vu qu'avant, nous avons vu qu'il fallait améliorer les fonctionnalités génériques que nous avons mis en place parce que ce n'est pas adapté déjà à leur réalité. Donc, ce développement mondial a été mis sur pied dans tous les pays, mais nous avons développé des spécificités pour les différents pays.
C'est un peu trop lent pour certains, surtout qu'il fallait prendre en compte les applications locales. Donc, on doit prendre en considération ce développement d'applications des utilisateurs comme faisant partie du programme général de développement DHIS2. Et ce n'est pas nouveau, mais pour pouvoir, ce que nous avons à faire, c'est d'améliorer cette possibilité-là. Comme je disais, ce n'est pas nouveau. Le tableau de bord en DHIS2 aujourd'hui a été premièrement développé, je crois, en Inde et au travers différentes exigences là-bas. Cela est devenu une application générale dans DHIS2 et des développements au Sri Lanka ont aussi contribué à l'amélioration. Nous avons vu l'année passée ce qui s'est passé avec la COVID-19 au Sri Lanka. Ils ont développé des fonctionnalités de clients qui avaient pour objectif de montrer comment visualiser et tracer les contacts dans un réseau pour pouvoir voir les cas et les contacts. Cela a été populaire au Rwanda et ce développement d'applications au Sri Lanka, pardonnez-moi, ces fonctionnalités ont été donc intégrées à DHIS2 avec l'équipe de base de DHIS2 à l'Université d'Oslo et cela est utilisé maintenant dans plusieurs pays, dont le Rwanda. Une minute pour pouvoir clôturer, s'il vous plaît, pour permettre aux autres de pouvoir faire leur présentation. Donc, prochaine diapo. Ici, c'est encore un résumé des difficultés rencontrées et des exigences spécifiques que nous avons identifiées et plusieurs sont reliés aux problèmes de population cible locale et des données de dénominateurs. Et je crois que nous allons en parler dans une trentaine de minutes. Donc, nous reviendrons là-dessus. Et un autre problème que nous avons rencontré, c'est que les tableaux de bord, ce n'est pas forcément la meilleure approche, mais nous nous basons sur les pratiques standards en matière de normes dans le monde. Merci beaucoup à tout un chacun ici présent. Nous avons beaucoup parlé, donc nous allons voir ce dont il a besoin, les besoins au niveau local et dans le spectre des systèmes mis sur pied et l'utilisation. L'objectif, c'est d'améliorer l'utilisation de la routine et la pratique. And development of the HIS2 globally, whilst also addressing. Alors nous essayons par ce système de fortifier, de renforcer notre réseau, de mettre en place un concept qui n'est pas nouveau, mais c'est de mettre en place des pratiques qui vont améliorer le système. Donc, en termes d'amélioration, PHS2 essaie depuis le début de mettre en place une fondation activiste, c'est-à-dire mettre en place une importance de façon locale pour avoir un impact mondial. Alors, nous mettons en place également un système basé dans certains domaines spécifiques et avec l'évidence des informations qui nous poussent à faire des recherches sur la base.
Nous savons que nous regardons de façon globale comment nous pouvons développer nos capacités et élargir. De façon intéressante, nous sommes en train de développer plusieurs secteurs. Et vous allez le voir dans les diapositives suivantes, comment est-ce que nous essayons de faire cela dans le système éducationnel. Nous allons voir quelques exemples également dans le monde de la sécurité et autres. Également, nous voyons le domaine de l'innovation, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu dans la diapositive, nous voulons nous assurer que le processus arrive à satisfaire les besoins qui sont sur le terrain. Alors, nous sommes en train de mettre en place une analyse pour pouvoir améliorer le système. Qu'est-ce que nous essayons de faire ici? Nous sommes en train de voir les différents aspects de la conception, de l'utilisation des données. Comment est-ce que nous pouvons développer la capacité dans la conception de l'utilisation des données? Alors, je vais passer la parole à notre collègue depuis l'Ouganda qui peut nous donner quelques exemples de la conception de plus loin. Alors, ces exemples-là proviennent de nos formations qui ont été faites de part et d'autre. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cela à différents niveaux. Et c'est juste quelques directives. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place ces conceptions-là qui vont permettre l'implémentation et qui ne sera pas un obstacle à avoir accès aux données. Par exemple, en faisant ressortir les implications dans la configuration, nous avons vu quelques aspects. Nous avons vu l'impact qui n'a pas juste été sur les utilisateurs, mais cela a été visible. Nous avons vu également comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des données et rendre cela plus facile à tous les niveaux, dans tous les systèmes. Alors, nous allons faire ressortir des domaines, comment est-ce que nous pouvons impacter nos données, nos utilisations de données. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place le formulaire. Alors, plusieurs types de formulaires que nous pouvons mettre en place, c'est-à-dire un système électronique. Et en matière de développer les capacités, nous sommes en train de voir comment définir, identifier une bonne conception de formulaire en mettant en pratique des principes de bonne pratique et qui traitent avec les situations déjà existantes. Alors, tout est question de ségrégation autour, c'est-à-dire voir comment nous pouvons éviter certaines incapacités. Nous devons tout faire pour éviter certaines variables qui se répètent à plusieurs niveaux. Alors, c'est quelque chose qui est aussi simple. Alors, l'approche qui vient, comment est-ce que nous faisons pour pouvoir améliorer et appliquer l'information? Alors, nous devons également voir de façon générale comment maintenir le système, la maintenance du système de façon générale de DHIS2. Nous voyons dans la plénière à l'ouverture comment est-ce que nous pouvons mettre en place les fonctionnalités analytiques avec DHIS2. Nous devons être capables de soutenir le système de maintenance générale dans tous les pays. Nous voyons des situations, c'est-à-dire la configuration des unités d'organisation et l'impact que cela a dans l'utilisation des données. Vous êtes prêts parce que la session suivante va parler plus des données. Et nous voyons comment l'organisation, la configuration nous permet également de faire le partage des données, c'est-à-dire le partage des données à tous les niveaux où vous partagez les données. Parce que nous voulons nous assurer que les données sont utilisées à tous les niveaux, que les bonnes personnes aient les données adéquates. Alors, cela est lié au partage des données
des différentes organisations qui peuvent se suivre. Alors, nous voyons la qualité de ces données. Alors, tout ceci est sur le concept de la conception de l'utilisation des données. Et nous allons également parler de l'évaluation, de l'implémentation, du développement. Mais je vais passer la parole à mon collègue, le Dr Prosper, qui va vous montrer comment est-ce que les innovations qui essaient d'améliorer le système pour nous. Alors, à toi la parole, Prosper. Merci beaucoup, Hélène, pour cette introduction. Merci beaucoup à tous ceux qui nous joignent. Nous voulons partager quelques-unes des innovations que nous avons eu à faire de façon générale à partir de la plateforme des HS2. Diapo suivante. Alors, ce que nous voyons, c'est que DHS2 a également fait un grand travail en essayant de mettre en place des données dans le système, et soit au niveau général ou bien au niveau individuel, la manière dont nous pouvons faire entrer des données dans le système. Alors, pour l'Ouganda, nous avons essentiellement vu l'accès comme l'un des moyens pour pouvoir promouvoir l'utilisation des données de par le pays. Alors, ayant les données et mettre cela à l'accessibilité des gens, alors cela a été quelquefois parsemé de défis. L'une des initiatives que nous avons vues au début, c'est que nous avons utilisé dans l'implémentation de DHIS2, c'était premièrement, nous avons essayé de mettre en place ce que nous mettons en place, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez avoir le système DHIS2 avec un niveau de données Internet minimum requis. Le DHIS2 va nous permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser alors leur téléphone et avoir accès à toutes les données. Et nous avons vu également que ce système a permis l'utilisation, cela à plusieurs niveaux de districts et également au niveau national, à un coût très, très, très faible, très payant. Alors, nous voyons ceci au fil du temps. Lorsque nous avons eu la surveillance COVID, nous avons eu à implémenter également ce système DHS2 qui a été vraiment bénéfique pour nous. Alors, ceci est une initiative qui a été soutenue par des partenaires, spécialement si les gouvernements et les ministères peuvent s'y adonner. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, avec ces genres de services-là, les communautés auront plus d'accessibilité à ce service et auront plus de données à leur disponibilité. Également au niveau de... Nous avons également essayé d'introduire un système de rapport par des SMS, les notifications, les différentes réponses, les répliques. Nous avons vu que cela a eu vraiment une emprise considérable et les différentes notifications sont envoyées de part et d'autre. Également pour la surveillance de plus importante, lorsque nous faisons nos recherches analytiques, nous sommes capables d'avoir des données en temps réel sur la base des notifications. Ceci également, c'est un SMS alors, qui nous aide dans la transmission des rapports de par les communautés des ouvriers, des districts. Alors, c'est eux maintenant qui transmettent ce rapport à DIH2 et cela se fait à un coût très réduit aujourd'hui pour les bénéficiaires. Également, nous avons vu dans l'utilisation des données, nous avons eu un feedback vraiment intéressant. Et au commencement également, notre introduction de DHIS2 pour l'éducation en Ouganda, après avoir vu tous les défis, nous avons décidé évaluer l'accès, nous avons mis en place une initiative, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons avoir une collectivité de paiement rapide au niveau des différents lycées. À l'étape initiale, c'était juste prévu pour utiliser
être utilisé par le système de santé des districts, mais nous sommes allés plus loin dans l'implémentation et à l'au-delà des districts, et cela a été partagé dans différents départements, y compris dans d'autres domaines au-dehors de la santé. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place un système de connectivité prépayé? Et vous allez déjà voir comment est-ce que cette connectivité peut être utilisée. Alors, beaucoup de personnes ont mis en place cela et ils ont vu comment ils ont pu visualiser les données dans le secteur éducatif et autres. Voici certaines des choses qui ont promu l'accès dans l'utilisation de ce système de données. Diapo suivante. Également, lorsque vous voyez l'utilisation des données, vous essayez de voir que des HIS2 peut pouvoir un seul sens général pour toutes les données pendant que nous sommes en train d'implémenter. Alors, nous avons eu des rapports de façon rapide au niveau des différents districts et nous avons vu que la collection des données de façon granulaire nous a permis de suivre de plus près les analyses. Alors, l'image que vous voyez, alors, c'est l'une des équipes d'implémentation rapide de PHS qui a été mobilisée. Et là, nous avons commencé avec le tracking du VIH2 et comment se vont suivre certains enfants infectés par des maladies. Cela-ci nous a permis de mettre en place ces données tracker, c'est-à-dire nous avons été capables de faire ceci en utilisant des données importées, des données plus de façon générique, et nous pouvons retrouver ceci de façon plus normale sur les applications que nous avons à nos disponibilités. Alors, avec le système tracker, nous avons travaillé en collaboration avec le système de données national. Et là où nous avons été capables d'implémenter de façon régulière le système VIH2 à différents niveaux. Également, au cours de la pandémie de COVID, nous avons vu comment plusieurs défis ont été surmontés facilement. Également, nous avons eu à voir plusieurs exigences dans la prise de décision en ce qui concerne la présentation. Nous voyons que plusieurs utilisateurs, plusieurs personnes ont eu à mettre en place plusieurs types d'utilisation de données, la formation des données, que de façon générale. L'analytique qui a été faite pour pouvoir soutenir des analyses. Nous essayons de mettre en place cette session qui permet d'utiliser différents domaines. Et avec cette application, nous permet d'avoir les données en temps réel sur les tableaux de bord. Alors, voici comme sur l'image des centres de COVID, vous voyez les notifications, les chiffres, les données en temps réel. Et plus les analyses avancent, plus vous voyez les résultats enregistrés au fur et à mesure. Et ceci a été plus implémenté dans différents domaines comme l'éducation. Vous voyez, pendant que les gens s'y accrochent, ils voient les différentes données enregistrées de par les districts. En vue également d'améliorer le système et promouvoir l'utilisation des données à l'intérieur du système de santé. Par exemple, au niveau du système de surveillance COVID, nous avons pu mettre en place un système qui nous a permis de surveiller de près les voyageurs. Également pour la vaccination, nous avons vu comment est-ce que nous avons développé
une carte de vaccination et des certificats, des attestations électroniques qui vous permettent de voyager de part au pays. Et nous savons que l'utilisation des données, c'est un domaine que nous devons promouvoir. Et ceci peut se faire de façon générique. Les différents ministères, les différents acteurs impliqués dans le domaine peuvent voir l'importance de ceci au niveau des districts et promouvoir l'utilisation des données. Diapositive suivante et la dernière. Alors, dans le système de promotion des données, dans le système d'innovation, nous avons également certains secteurs DHIS2 où nous essayons d'utiliser le système, c'est-à-dire pour l'éducation et la santé. Cela a beaucoup aidé en ce qui concerne le monde de l'éducation. Ce que vous voyez ici, c'est la campagne dont nous parlons et comment ceci est fait, c'est-à-dire la vaccination des enfants qui a eu lieu pour eux dans les écoles. Puisque nous avons les données de l'école, alors nous pouvons également transférer cette donnée-là de façon synchronisée dans le système sanitaire. Nous avons également été capables d'intégrer la surveillance COVID, c'est-à-dire utiliser la surveillance pour le système de vaccination. Comme vous voyez, les enseignants reçoivent les données. Tout ceci est compilé dans le système d'éducation. Et nous utilisons ces deux systèmes, c'est-à-dire pour promouvoir les données. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons aller au présentateur suivant. Merci beaucoup, Prosper. Nous avons eu à saisir ce que tu as voulu montrer dans l'utilisation des données. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne plénière et comme cela a été dit au début, et pour les quelques dernières minutes, j'aimerais passer la parole à Paul Bondage. Alors, qui va nous parler de façon générale de ce qu'ils font. Avant parler de comment nous allons travailler et bâtir le système et HS2, utiliser la disponibilité des données. Alors, cette session. À vous la parole, Paul et Jennifer. C'est pour moi une opportunité de parler de cette communauté au fil des années.
L'information des données est très importante et nous savons tous que nous avons besoin de cela pour atteindre nos objectifs et voir des moyens innovants par lesquels nous pouvons mettre en place un système pour améliorer le résultat des données. Ce que nous avons réalisé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovations dans le domaine en ce qui concerne le traitement du VIH-Sida. Et au fil du temps, nous avons vu qu'autour de ces expériences-là ne sont pas tout le temps organisées. Alors, toutes ces opportunités ne sont toujours pas gérées de façon coordonnée. Alors, les gens sont occupés, travaillant, prenant soin des patients, faisant le mieux qu'ils peuvent. Ils ne comprennent pas vraiment que ces innovations ont beaucoup Là, nous essayons de voir comment tous ceux qui sont en train de soutenir ce système-là peuvent s'améliorer au fil du temps. Nous allons à la diapositive suivante. Alors, le travail de la communauté que nous faisons à différents niveaux, également plus bas niveau, il y a plusieurs personnes de par le monde entier qui sont en train de développer les moyens par lesquels ils prennent soin des patients à travers des informations. Jusqu'alors, nous avons eu plusieurs membres de communautés qui représentent plusieurs pays. Nous avons eu des pays qui ont commencé par mettre en place l'utilisation des données de DHIS2, également d'autres systèmes. Et dans certains cas, le système qui a été développé a pu répondre à plusieurs besoins de façon spécifique. Et nous avons vu qu'au différents niveaux, nous avons été dans le processus de développer et partager un réseau. Donc, si vous allez dans la communauté d'utilisation des données, vous allez voir une panoplie d'informations venant de plusieurs personnes qui sont en train d'implémenter le système. De façon ultime, de façon générale, nous voyons comment les gens sont en train d'identifier des documents qui permettent de mettre en place un travail plus général, plus complet. Pensez à l'utilisation des données d'information. Diapo suivante. Alors, nous sommes en train de voir
un ensemble d'activités que nous sommes en train de faire, mettre en place dans l'utilisation des communautés. Chaque mois, nous avons une réunion où plusieurs pratiquants partagent leurs écrans de par différentes parties du monde entier. Ils sont en train de développer un modèle à court terme, à moyen terme, à long terme. Et les gens sont en interaction avec les autres. Et nous sommes en train de décrire un nombre d'innovations que nous avons à mettre en place dans différents pays. Comme vous pouvez le voir, de façon générale, nous espérons que de nouveaux outils, de nouvelles approches, de nouvelles innovations vont émerger de cette expérience. Donc, dernière diapositive. Alors, si vous êtes intéressé à savoir plus dans l'utilisation des données, nous avons une adresse email. Vous pouvez nous écrire et également voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Il y a un lieu où vous pouvez voir là-bas, créer un compte et vous pouvez nous rejoindre de façon facile. Alors, si alors, vous pouvez également travailler de façon plus rapide en jouissant de ce système, alors que ce soit dans le système éducationnel ou bien dans les autres systèmes. Je sais qu'il y a des questions qui viennent, mais à cause du temps, nous allons arriver ici. Merci beaucoup, Paul. C'est vraiment intéressant. Différents niveaux. Je pense qu'on a encore 2-3 minutes. Alors, merci beaucoup à toutes les présentations. Cela a été vraiment une session intéressante. Nous voulons vous donner alors un petit résumé de ce que nous avons fait au cours des dernières années. Ce que nous avons eu à innover, alors ce que nous avons eu à faire de façon collaborée, de façon conjointive. Alors, nous n'avons pas le temps de tout présenter, mais c'est l'un de nos grands projets maintenant. Et je pense que si vous êtes capable de joindre les différents groupes IST, les différentes pratiques qui ont été mises en place, c'est-à-dire comment mettre en place le système de données, comment est-ce que nous puissions surmonter les défis que nous avons, également des solutions innovantes qui peuvent soutenir l'utilisation des données. Alors, nous devons aller à la session suivante, mais nous avons plusieurs sessions aujourd'hui dans lesquelles nous sommes engagés, c'est-à-dire les plusieurs sessions qui viennent dans quelques minutes. Nous aurons également une session de recherche où on va nous parler des projets de recherche. Alors, soyez les bienvenus. Bien sûr, il y a encore plusieurs autres sessions. Alors, nous avons également une session qui va parler à tous et nous avons passé un bon moment. Alors, je pense que nous clôturons ici et on se voit à la session suivante. Au revoir.